Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vraiment vraiment incroyable. Là on est à La Mecque, la meilleure ville du monde, vous allez voir. Et à La Mecque, il y a la première mosquée musulmane qui a été construite à l'époque. Vous allez voir, là on va aller voir comment elle est la mosquée. Elle est immense, elle est super grande, c'est la plus grande mosquée du monde. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Là on est à la mosquée de l'hôtel avec Myriam. Donc ce qu'on fait quand on va à la mosquée, c'est pas celle à la mosquée. Hein. On enlève ses claquettes. Bien qu'avant, vous allez voir, je vous expliquais pour les claquettes, on peut les garder. Viens, on entre. Là, c'est la mosquée de l'hôtel. C'est proche, je vous ai ramené là, je vais vous montrer. Vas-y, Myriam. C'est ultra propre, ça. Ouais, on essaie de ne pas faire trop de bruit. Viens, viens avec moi. On essaie de ne pas faire trop de bruit parce que les gens ils se concentrent. Alors, je vous explique. Ici, là, on a la mosquée de l'hôtel. Et la mosquée que je vous parle, la plus grande du monde, c'est celle-ci. Masjid al-Haram. Elle fait un grand, grand, grand cercle. Et la Kaaba, elle est juste derrière ces murs-là. Donc, nous, on va aller où? On va marcher, on va marcher, on va marcher. On va marcher et on va aller dans cette porte là-bas. Ok? Donc Myriam, il y aura un côté spécial femme et un côté spécial homme. Sachez qu'avant, il n'y avait pas de tapis comme ça. Avant, à l'époque du prophète Ali Sadsem, c'était de la terre. Et il marchait avec des sandales. Il priait avec des sandales ou des claquettes. Il faut juste que les sandales ou les claquettes elles soient propres. Donc même si vous voyez des gens prier en claquettes tant qu'elles sont propres, il n'y a pas de problème. On est en territoire sacré. On essaie de ne pas dire de gros mots. Pas de mauvaises choses, que des bonnes actions. Et ici, une prière, c'est 100 000. Prière, c'est compté comme 100 000. Donc vas-y, on y va. Eux, c'est des gens, ils sont là pour les personnes handicapées s'ils veulent les pousser. On va y aller tout au fond là-bas. Là. Comme il fait chaud, ils ont mis des ventilateurs là en haut. Il y en a plein, regardez. Franchement, tu ne ressens pas du tout la chaleur. Là, il y a partout des ventilateurs, ça fait vraiment du bien. Même ceux qui vont venir en été et tout, franchement, vous n'allez pas avoir chaud, je pense. Donc là, les hommes mélangés, les femmes séparées, comme je vous ai dit. Avant, à l'époque du prophète Al-Sam, c'était quoi? C'était les hommes devant et les femmes derrière. Pourquoi ils ont changé, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est bien. Vous avez vu, il y a énormément de monde, mais c'est calme. Tout le monde est calme, tout le monde rigole. Alors, on se rapproche. On se rapproche de la plus grande mosquée du monde. C'est un grand rond, en fait. Hein. Regardez, des grands piliers là-haut, c'est vraiment magnifique avec l'horloge. Nous, on entre par la porte 74. Quand vous venez, retenez bien les numéros pour pas vous perdre. Parce que là-bas, il y a d'autres numéros, d'autres portes. Voilà, on arrive. Juste avant, on s'arrête à la fontaine Zemzem Water, il y en a partout. Comme on vous a dit dans la vidéo précédente, c'est de l'eau vraiment, vraiment, c'est la meilleure eau au monde. Tu bois, ça te nourrit. En plus, elle est super bonne, super fraîche. Vu qu'on est là pour 3-4 jours, on en profite un max. Et bismillah, tu fais une invocation dans ta tête. Je ne vous la dis pas, c'est secret. C'est parti, je vous emmène avec moi. Il y a des escalators. Hein. Franchement, c'est grave civilisé. Dans la mosquée, vous avez vu, il y a des escalators. Ça va nous emmener dans des étages. Il faut pas que je me gamelle. Voilà. Là, on monte tranquillement. Regardez les fenêtres et tout. Franchement, c'est super beau, super calme. On arrive, on arrive. Voilà, donc là, on arrive. Ensuite, on continue par là. Il y a un autre escalator. Quand je vous dis que c'est la plus grande mosquée au monde, c'est pas pour rien. Et ils sont encore en train de faire des travaux pour l'agrandir. Regardez, il y a un autre escalator. Hop. Là, c'est le deuxième étage. Alors, on y va. Regardez, déjà, ils ont fini de prier, ils descendent, ils rentrent chez eux. Je peux vous dire que quand il y a du monde, c'est grave dur. J'ai failli me gamelle plusieurs fois ici, là. Je me suis mangé des coups physiques. Voilà, là, on arrive à l'étage principal. Donc là, on a l'étage principal. Ici, là encore, il n'y a pas de place. Et bien là-bas, vous avez un autre escalator pour remonter là-haut. Mais là, ça va, il y a de la place à la crème de l'île. Donc là, on est à la mosquée Al-Haram. Elle est immense. Ça va de tout là-bas, là c'est pour les hommes, jusqu'à tout là-bas. Je vais vous emmener, vous allez voir. Là, les hommes et les femmes, ils vont se séparer. Myriam, adios. Adios, amigos. Regarde, elle va, vas-y. Elle y va là-bas, avec sa maman. Vas-y, à tout à l'heure, Inch'Allah. Et là, regardez. Il y a des caméras, bien sûr. Les gens prient. C'est déjà presque blindé, alors que la prière, elle est dans 30 minutes. Hein. On continue d'avancer, c'est vraiment immense. Regardez, ça va jusqu'à tout là-bas. Ça va jusqu'à... C'est immense. Et au bout, là, il y a une petite, comme je dirais, une petite surprise, vous allez voir. Je vais vous montrer. Ici, toujours avec les Zemzem. Oh, t'es encore là, toi? Ouais. Ok. Là, regardez, il y a des Corans. C'est bien si vous venez d'en acheter, d'en poser, pour que ceux qui lisent, eh ben, ils puissent, ça vous rapporter des hassanets. Oh, il y a encore un sous-sol en bas. Ah oui, ça c'est le niveau 0, il y a la Kaaba, regardez, c'est immense. J'avais même pas vu ça. C'est vraiment immense. Avec le grand lustre.
Vas-y, on continue d'avancer. Ne vous dites pas quand vous regardez cette vidéo, j'ai le temps, j'ai le temps. Eh, vous avez pas le temps. Même si t'as 15 ans, t'as pas le temps. Sachez qu'à chaque prière ici, il y a des prières sur. Il y a des salats de Genesa, c'est-à-dire des prières sur les morts. Le temps, il passe vite. Venez, venez. C'est bien Dubaï, c'est bien, c'est rigolo les vacances. C'est pas interdit, hein, mais il faut venir une fois faire la Umrah et une fois faire le Hajj. C'est très 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 important parce que cette vie elle passe super vite, la famille. Là, on arrive tout devant la mosquée. On se rapproche, mais il y a énormément de monde, c'est-à-dire qu'on peut pas descendre en bas. Ouais. La Kaaba, elle est juste après. Je vais essayer de passer parce que eux, ils sont en train de faire les tours. Vous voyez les 7 tours de la Kaaba? Ouais, mais on peut, faut pas les déranger. Je pense qu'on a le droit de passer. Ici, c'est pire que traverser l'autoroute. Hein. Vas-y, je vais y aller. Reste là, Miram, c'est dangereux. Allez, go, on y va. On va essayer de passer d'un coup sec. C'est bon, on a réussi, walhamdulillah. Ok, je vais essayer d'approcher. Regardez là, il y a du zemzem. Les gens, ils prient. Salam alaikum. Regardez, je vais vous montrer. La Kaaba est juste là. C'est vraiment magnifique. Regardez tout le monde qu'il y a. Je vais essayer de vous zoomer. C'est rempli la famille. Il y a un étage, deux étages, ils sont remplis. Hein. Les gens ils font les tours. Ça c'est la home là. Vous faites des tours comme ça. Ah, regarde tout le monde qui a. Regardez, même en bas. Ah, le policier nous a dit. Le policier nous a dit de dégager. On dégage. On va devoir retraverser l'autoroute. Allez, c'est parti. On y va d'un coup sec. Donc voilà, faut vraiment, vraiment pas s'énerver. Hein. Même si quelqu'un il vous parle mal ici, ici encore plus que d'autres endroits, faut pas s'énerver, pas dire de gros mots. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un territoire sacré, c'est la meilleure ville du monde. Dites-vous que le prophète Ali Sato Selem, il était ici. Et elle n'était pas aussi grande. Hein. Là, ils l'ont agrandi de fou. Avant, c'était plus petit. Et c'était de la terre par terre. Là, ils ont fait des constructions et tout. C'est vraiment incroyable. Il y a aussi le minbar du prophète, je sais pas, il est où. Où il montait pour faire des discours. Mais je sais pas il est où encore, parce que moi je viens d'arriver, t'as vu. Il a du pain le monsieur, je crois il donne du pain aux personnes qui veulent. Eux ils sont en train de changer le zemzem. Regardez, c'est eux qui renouvellent l'eau. Je viens de demander à une personne, il est où le minbar? C'est là où le prophète montait pour Aïssatsem pour faire les discours. Il m'a dit il est en haut encore. Il est même pas à cet étage là. Pour vous dire comment c'est grand. Donc, je sais qu'on est sur la côte familiale, vous allez me dire les non-musulmans, ouais c'est quoi cette vidéo? En fait sur cette chaîne je fais les vidéos que j'aime bien et les vidéos importantes. J'étais obligé de la faire pour les musulmans et même les non-musulmans, comme ça vous regardez comment c'est un peu les mosquées et ça peut pas faire de mal. Franchement, je vous passe un message. Hein. Il faut vraiment, vraiment venir. Et même si vous pouvez pas venir maintenant parce que ça coûte un peu cher, c'est vrai. Allez à la mosquée, faites les prières, la musique, etc. Franchement, ça vous emmène nulle part. Il n'y a pas de la cité, il n'y a pas la cigarette, il y a la tombe qui nous attend. C'est un peu bizarre à dire, mais il faut être intelligent. Et dans la tombe, c'est pas la musique qui va te servir. C'est pas faire des trucs bizarres avec des filles qui va te servir, c'est vraiment les prières, etc. Là, ils sont en train de distribuer de la nourriture à tout le monde. Lui, je crois qu'il donne du fromage. Ouais, il donne du fromage. Lui, il donne des repas. Moi, ils m'ont ramené des dattes. Moi, je me suis posé là à côté des chaussures. À force de vous faire la vidéo, j'ai plus de place. Ils ont pris toutes les places. Et je voulais vous dire avant de vous laisser là, ne vous dites pas, ouais, moi, pour que j'aille là-bas, il faut que quand je reviens, je fais plus de péché, je sois quelqu'un de bien. Eh non! On fait tous des péchés, on va tous continuer d'en faire malheureusement. Que Dieu nous pardonne, on n'est pas des anges. Ne vous dites surtout pas ça, c'est Shaitan qui vous dit ça. Comme ça, vous venez jamais, vous mourrez et vous n'aurez pas eu le temps d'être venu. Barakallah au fait. Elle me ramène un yaourt. En fait, c'est du yaourt. Ouais. Non, juste. Non, c'est bon. Juste, non, il voulait m'en donner un deuxième. Si je fais de la musculation. Ouais, quand vous venez là, c'est normal, vous allez faire des péchés. Vous allez faire des péchés, c'est normal. Malheureusement, on est des humains. On fait tous des erreurs et des fautes, mais il faut demander pardon à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ouais, moi je peux pas y aller, je fume, je fais ça. Bah, c'est en venant là, peut-être que tu vas changer, Inch'Allah. On va goûter le café. On va goûter le café pour voir. Allah
on vient de finir la prière. Il y a eu encore une prière sur un mort. Franchement, celui qui meurt ici, c'est un cadeau de la part de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Ah, c'est fermé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a énormément de personnes qui prient pour toi. Ils intercéderont si Allah il permet pour toi. Donc c'est vraiment un super cadeau. Je suis vraiment, vraiment très fier d'être musulman. C'est ça l'image de l'islam. Regardez, on est des millions. Enfin, on est des milliers, pardon. Il n'y a pas une seule bousculade. Il n'y a pas une seule insulte. L'islam, c'est le respect. Il n'y a rien qui traîne par terre. Les gens, ils sont bien. Tout à l'heure, je souriais à un mec parce qu'il m'a regardé. À chaque fois que tu souris à quelqu'un, il te donne quelque chose. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ici, avant, c'était le désert. Il n'y avait vraiment rien. Regardez maintenant comment c'est. On dirait ça, c'est mon hôtel. Regardez. Alors que c'était vraiment le désert ici avant.